Alors, si notre tantine préférée est contente des nouvelles qu'elle entend sur les médias, maman, hey, que le directeur de Nollywood Adequata restait juste là pour écouter maman avec Angela Okoro à la pluie. Hey. Cette vidéo, nous allons parler de Tonto Dike, Angela Okoro, oui, qui est une actrice nigériane aussi, et Destiny Etiko, oui, aka Drama Doll. You had to come on social media to put up that shit. You see why I don't chill with subjects? Subjects are subjects. You gotta stay there as a subject because I put so much in my career. I ain't gonna chill. Vous avez écouté à ce que Angela Okoro a dit, maman, hey, qu'elle ne traite pas avec les pieds plats, que les pieds plats resteront toujours les pieds plats. Elle a tellement mis le travail dans sa carrière qu'elle ne peut pas traiter avec un pied plat qui va venir salir son nom sur les médias. En tout cas, allô la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Jésus nous suit une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, Jésus nous est de retour. Et que Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là, si c'est votre première fois ici. N'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos ganas mosgo. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, oui, ici. Si nous sommes spécialisés en Congo, ça, nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Nous allons commencer avec notre tantine préférée, Tonto Dike, aka King Tonto. Hey! Donc, vous savez, depuis qu'elle est quittée sur les médias, depuis qu'elle nous a dit au revoir, pour ceux qui suivent l'histoire du début, ça c'est juste affaire à suivre. Et pour ceux qui ne connaissent pas le commencement, comme on dit souvent, allez juste sur ma chaîne là, vous commencez par partie 1 là, pour ne pas être Jack, Jack, Jack. Hey, Josie parle de quoi? Non. Allez juste en bas là, vous suivez, et puis vous venez suivre ceci. Depuis que l'ex-mari de Tonto Dike a mis les audios sur les médias, surtout l'audio où elle pleurait en demandant pardon, fais-moi ceci, prends soin de mon enfant et tout, c'est arrivé à la table du directeur du Nollywood, il a quelque chose à dire. Et moi, Josie aussi, j'aimerais donner mon point de vue, ce que j'ai réfléchi, oui. Parce que vous savez, les choses comme ceci, quand on reste pas derrière, hormis de la vidéo, on réfléchit que, mais, pourquoi l'homme s'y a fait ceci? Pourquoi, pourquoi et pourquoi? Bon, après avoir lu ce que le directeur a écrit, je vais parler, ok? Bon, il dit ceci, pour ceux qui peuvent lire l'anglais, vous pouvez lire là-bas, il dit ceci, les événements de ce dernier jour ont montré que les actrices sont désormais marquées pour le chantage, en particulier en raison d'une relation qui a mal tourné. Mais est-ce que cela devrait être une raison pour publier des conversations privées sans le consentement de l'autre partie? C'est la question qu'il demande. Nous utiliserons celui-ci pour donner l'exemple et dissuader toutes les autres personnes, y compris les blogueurs, qui profilent actuellement des actrices pour le chantage, de repenser. Il continue en disant, nous ne croiserons plus nos mains et ne regarderons plus nos membres ridiculisés en public par atteindre et la vie privée. Nous examinerons également les cas où nos membres certifiés se sont tournés vers les médias sociaux pour appeler d'autres membres ou faire des déclarations susceptibles de jeter le discrédit sur notre guide ou de causer des désordres entre les membres. Nous allons utiliser ceci, ce cas, pour faire un exemple à tous. Hey! Bon, selon lui alors, et selon les médias, l'affaire ne terminera pas sur les médias. Il paraît que ils vont suivre cette affaire en justice.
que la manière que tonto dit qu'elle ne répondait pas, vous savez, elle a vraiment changé. C'était avant, elle devait sortir avec sa part de... elle devait faire que les vidéos sur vidéo, vidéo sur vidéo, mais elle est restée calme. Elle écrivait seulement les petits mots pour nous informer que voilà, voilà, voilà. Et vraiment, moi, j'ai vu que oui, pour mettre une vidéo comme cela sur les médias publiés, donc il a enregistré la femme sans qu'elle ne soit d'accord. Donc, ce qui fait qu'ils vont l'amener où? La fesse là, on regarde comme si c'est petit à faire, mais ça ne fait que commencer. En tout cas, Josie est ici pour vous amener à faire, à suivre. Et aussi la famille, moi, quand j'ai pensé à cette histoire, j'ai dit, ah, ça peut être que l'ex-mari de Tonto dit que, je dis moi seulement que ça peut être que les deux se soient entendus que voilà, comme elle m'avait humilié sur les médias, que voilà, je ne peux pas faire 3 secondes sur une, sur un haricot ici, ici. Va alors là-bas, tu la traites comme cela, tu la montres que, moi je dis moi seulement parce que le comportement de ce prince, est-ce que le prince se comporte comme ceci? Non, 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 non. La femme d'abord avant tout. Donc il est entré dans la vie de Tonto jusqu'à ce que Tonto a présenté, et nous aussi les femmes là, c'est aussi un conseil. Si vous savez que peut-être que l'homme ne vous a pas encore épousé ou bien quoi que ce soit, vous n'avez pas l'avenir avec l'homme, ne présentez plus trop les hommes. Nous savons que nous, les femmes, on ne peut pas rester sans homme, mais ne présentez plus les hommes devant les enfants. Parce que voilà, maintenant, tout le monde dit qu'il a présenté l'homme et l'homme est parti. Peut-être demain, il va encore voir l'autre, il va présenter. Il va pas. Donc, non, non, non. Essayez de laisser vos enfants hors de ce que vous faites. C'est pas bien qu'aujourd'hui tu présentes tel homme à l'enfant, demain tu présentes tel homme à l'enfant, demain tu te présentes tel homme à l'enfant. Vraiment, même l'enfant là serait un peu trop mal. Est-ce que vous m'entendez? Voilà le sujet de Tonto dit que maintenant. Peut-être l'enfant va rester dit maintenant que, oh ouais, mon papa que tu m'avais présenté, il serait mon papa, il est où? Il est parti. Donc, essayons un peu les femmes là. Si vous avez même vos chogas là, essayez de faire ça hormis des enfants. Ce n'est pas obligé que l'homme vienne chez toi tout le temps ou bien que tu présentes l'enfant que voilà ton papa. Non, non, ce n'est pas obligé. Ok? Aussi de l'actrice nigériane Destiny Etiko qui est sortie dernièrement nous dit que voilà sa fille adoptive et tout et tout et tout. Elle a montré le chemin à la fille, elle a amené la fille dans le Nollywood et en 24, la fille a eu 50 000 abonnés et le lendemain, c'était déjà à 100 000 abonnés. Et Destiny Etiko est sortie en disant que pourquoi est-ce que vous faites ça? Que pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas rester? Ils voient les enfants évoluer. Ils voient les enfants avec les étoiles briller. Que hier, que la fille est sortie avec sa page, avec la gloire de Dieu, elle a eu 100 000 abonnés. Les gens se sont réunis pour la page de la petite fille, qu'elle ne sait pas pourquoi jusqu'à présent, elle a tout fait. Instagram n'a pas encore relâché cette page. Que s'il vous plaît, laissez cette petite fille briller. Que pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi le cœur des hommes noirs sont comme cela. Je vais laisser la vidéo, je vais à la fin pour vous écouter. Et vraiment, moi je trouve ça comme si c'est bizarre. Pourquoi est-ce que chacun a sa chance sur terre, chacun a sa chance. Cette petite fille, le jour que sa vidéo a circulé sur les médias, tout le monde disait, pourquoi Destiny n'est pas sortie l'embrasser? Pourquoi les gens ont parlé. Destiny allait l'appeler. Vous savez, quand une star t'appelle comme cela, surtout une star qui est reconnue et qui a les suivis, les gens vont la suivre. Elle a eu 100 000 abonnés en 2 jours et demi. Et maintenant, les gens se réunissent pour aller dire, oh, elle a fait quoi? Elle a posté quoi? Elle a même mis quoi? Pas Destiny, elle qu'elle met sur cette page. Vraiment, les hommes noirs, il y a certains hommes noirs que vraiment, ça ne vaut pas la peine là. En tout cas, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Et je vous aime comme toujours. N'oubliez pas de partager, oui, et de liker. Oui, pour ceux qui veulent liker, pour ceux qui veulent me donner toujours le pouce bas là, là je prends tout. Et n'oubliez pas surtout que je vous aime. Et on nous revoit à la prochaine vidéo. Bisous à tous. Hello guys, good morning. I hope you guys slept well. Well, the thing is that I've not been happy recently because of what's happened to my adopted daughter's page. I don't know why people are like this. I don't know why people are so unhappy. They are not happy with people's blessings. They don't want to see you grow. They don't want to see. I don't know what a little girl like Chinyenye has done to anyone that someone would just come out and start reporting a page.
that hasn't done anything to you? I mean, I don't know. They kept reporting this girl's page for nothing. She didn't do anything to you guys. So I don't know why soup. Well, I am making this video to let you guys know that my daughter's page was taken down by Instagram. I don't know the reason. And I've been looking forward to getting it back, but it's been taking a whole lot of time. And I've been seeing a lot of comments. We can't find your Chinenye's page. We can't find her handle. And that's why I'm making this video, to let you guys know that we're having issues with the page for now. But with time, by the special grace of God, we're going to get it back. That's why I've not posted her for a long time. I've not tagged her, because her account for now has issues. Please. Every other Chinenye Eukarya on Instagram now is fake. There are a lot of Chinenye Eukarya on Instagram. I know a lot of you will be confused and you start following those pages. No, all of them are fake. We are still working towards getting her account back. Please, I'm saying this with so much pain in my heart, because I knew what it took me. I knew everything, you know, to build this page to this level, and then someone just had to do this to disable this girl's for no just cause. It's really painful.